On est prêt, go! Et voilà, c'est fait. Paradoxe Interactive, Ice Lake Studios. Eh oui. Donc, vous pouvez aller le tester sur... Il est maintenant en preview, vous pouvez l'avoir pour 1 heure. C'est la suite, je comprends bien, d'un peu de Surviving Mars. Survivre sur Mars, un jeu que je n'ai pas essayé, que j'ai, malheureusement, j'ai. Que j'ai. Donc, n'oubliez pas d'aller retweeter, mettre des j'aime, merci beaucoup. Information concernant ce jeu a un accès anticipé. Éventuellement changer au fil du temps, et bien donc évidemment il va y avoir des bugs et tout. Donc, si vous trouvez des bugs, on vous conseille d'aller les confirmer et tout. Au lieu de juste chialer, le jeu est plein de bugs. Non, allez, faites votre travail de citoyen. Merci d'avoir essayé le jeu. Merci, merci. Charger, nouvelle partie, paramètres. Je me fiais bien à la nouvelle partie. Je crois pas. Vous êtes sur le point d'entrer dans le monde post-apocalyptique, où la construction d'une colonie est particulièrement difficile. Le tutoriel vous aide à apprendre les bases de la survie et du développement dans l'environnement hostile. Vous apprendrez aussi les bases de gameplay, l'interface et les grandes lignes du jeu. Vous voulez activer le tutoriel? Effectivement. Rares sont ceux qui se souviennent de ce qui a mis le feu aux poudres. Une réaction en chaîne de catastrophes à l'échelle planétaire a éradiqué l'essentiel de la population mondiale, dont Charlie Lenny, et ravivé la tension entre les pays. Ceux qui ne sont pas morts doivent à présent survivre dans un univers post-apocalyptique. La ville sont détruites, mais la nature reprend le dessus. Le monde est désolé et impitoyable. La planète est une grande zone stérile. J'aime pas ça être stérile. Ah, plus tu vas bas, plus... Mais moi, je vais prendre un niveau de difficulté 6%. Parce que moi, je suis débutant. Conditions météorologiques exceptionnelles et autres calamités sont désormais le lot quotidien des survivants. Mais moi, je suis un petit faible. 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 Je suis le roi. Caribou. Et on va s'appeler. On va s'appeler Renommée. Tribu de cassé. C'est beau. Que c'est beau. La devise. Moi. 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 Démarrez la partie. La déshydratation est un problème très sérieux. Débrouillez-vous pour avoir suffisamment de puits et de châteaux d'eau en permanence. Pour avoir suffisamment de puits et de châteaux en permanence. Je garde mon profil pour me donner des petits becs. La déshydratation est un problème très sérieux.
Débrouillez-vous pour avoir suffisamment de poupounes. Je vois rien. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fait? C'est pas demander du tutoriel, moi? Commandez la basique. Commandez la basique. Vous pouvez jouer au jeu avec une manette au clavier souris. Manette, déplacez la vue avec le joystick gauche. Appuyez A pour sélectionner et valider sur B pour désélectionner et Y pour vous en aller chez vous. Clavier souris, hein, je suis pas là. Bon, toi, qu'est-ce que tu fais? Santé, je suis en pleine santé. T'es jolie, mademoiselle. On va construire une maison. On va construire une tente. Sinon, on va dormir où? Une tente peut contenir jusqu'à combien d'habitants? Vous êtes bien gentille, madame. Allez faire un abri. On peut pas faire un mur d'affaires. Allez, à l'attaque. Je pense qu'il nous faut deux tentes au moins minimum. Bon. La tribu de Cassé. C'est quoi ça? Ferme. Bœuf séché. Danger. Beaucoup. Zéro. Oh. Pas zéro. Ok. Pas de colonie. Une ferme. Est-ce qu'on doit aller les voir? Prendre le jeu. Merci. Bon. Bon. C'est quoi les experts disent? Ils disent reste chez vous. Bon, qu'est-ce qu'on fait à cette heure? J'en ai aucune idée, maître Calibou. Occupant 2 sur 2. Ok, on est plus que ça. Zut, faut faire plus de temps. Ouais, j'ai rien qu'à 2 d'intente, tout ça. De toute façon, j'aurais mis ça à 4. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Oh, faut-tu bien qu'il coupe les arbres? Non. Hello. Attends, on va essayer quelque chose. Construit. Terminé. 8 cotons, colons n'ont pas de maison. Construisez plus d'abris. Ok. Let's go, ma gang de colons. En colons, en colonie. Deux pédalos n'ont pas d'endroit. Construisez des pédalos en bois. Là, je l'ai fait trop fait à ce temps. Trop de temps à ce temps. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? Y. Comment avancer? Faire tourner la caméra en déplaçant. Ça, c'est fou, ça. Wouah! Ok, c'est bon. Les colons ne sont ni tristes ni heureux. Ils espèrent des jours meilleurs et craignent le pire. Les colons sont divisés en deux groupes. Les actifs sont en charge de tous les travaux de construction et de réparation dans la colonie. Ils s'en transportent également les boîtes de ressources là où ils sont besoin. Les colons affectés à une tâche précise travaillent dans l'un des bâtiments de la colonie. Les enfants vont à l'école si celle-ci est disponible. Fondamentalement, les colons, la nourriture est un besoin constant. Une grande variété de nourriture est disponible depuis les légumes jusqu'à la viande. Mais passons par les insectes, la nourriture est cruciale pour survivre. Ressources essentielles pour créer une vie sur vie, un tocolant sans eau, issu de puits de toutes les chances de mourir. Le produit d'une
l'énergie, les matériaux de construction, ben c'est produit à partir des séries ou des recyclés depuis les différentes zones. D'accord, ok. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ah, ok. Ah, je viens de voir, bon, garde manger. De l'eau! Non, ça coûte. Ah, Steve, j'ai tout gaspillé mes cochonneries pour ça. J'ai du bois assez maintenant. Ouais. Ah, c'est là, bah. On va le faire ici, tu sais. Ah, mais il y a déjà un puits d'eau! Ok, bon. Tendu où? Ça, c'est de l'eau. Ça, c'est... c'est du bois que je veux, et ça je veux. Bon. On va laisser... Voyons, je suis tout pris. Construire des abris, appuyer Y pour en savoir plus. Toi là, tu sais rien. C'est moi qui vais te montrer à jouer le tutoriel. Bon, ok. C'est surtout comment je vais faire pour descendre en bas. Ah, je l'ai, bon. C'est quoi ça? Il va chercher du bois. Ok, ça, je pense qu'il y a eu des commandes pour aller construire de quoi, là? Quoi ces boîtes-là, là? Ah, ils prennent du stock, de la brique, ça, puis ça en va dans le bois construire de quoi? Check-moi ça, c'est nice. Vous avez rien à perdre, allez essayer, c'est gratuit. Pour une heure, 60 minutes. Je pense que vous pouvez même le télécharger directement en haut dans le chat si vous voulez. Des déchets, matériaux dangereux et radioactifs qui doivent être nettoyés avant que la terre puisse être utilisée. Pour retirer le matériau, vous devez disposer d'une éco-station. Une belle eau pour l'instant. Bon, ça va pas. J'espère que j'ai pas mis de l'eau là-dedans. Mais... on va tomber malade comme des petits coqs. Bon. Y'a-tu du bois qui s'en vient? On a 24 de bois. Comment ça a de l'air, ça? La... je suis tout mêlé, attends. Avances-tu, ça? Bon, c'est fini. Bon. Vais-tu mettre du monde dedans? Il y a déjà Y. Hop, c'est bon. Attends. On peut mettre deux personnes. Ok. Parfait. Validé. Non, validé. Bon. Qu'est-ce qui est ça? Plastique. Oh! Du métal. Bon. Ok. Bon. Ah ouais, de nouveau là-dedans. Un recycleur, là. Ce serait ici, surtout. Bon, reste clair.
Et pourquoi pas, tant qu'à faire, mettre la place. Un ferrailleur. Bon. On a manqué de matériel tout d'un coup, je pense. On n'a rien pour la nourriture. On a de la nourriture encore. On reçoit du bois. Parce qu'il va aller chercher, si vous voyez bien, c'est nice. Ah bah, moi j'ai tout le temps. Moi j'étais un grand fan à l'époque de. Oui, c'est ça. Age of Empire. Donc, on rajoute quelqu'un ici. Et ici. Bon. Nos ressources montent bien. Tranquillement, mais ils montent. Alors, je vais voir s'il n'y a pas des... C'est pas ça que je veux faire. Est-ce qu'il y a des affaires d'attaque qu'on doit faire? Des bâtiments qui flashent. Oh, 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 oh! Là! Bon. Qu'est-ce que tu veux? Abri d'urgence, on a déjà eu, il me semble. Une autre tente. Yes. Qu'est-ce qui se passe ici, là? Vous attendez des appels de secours qui viennent d'une tente et vous vous précipitez sur place. Il y a des colons! Il n'y a pas de colons, mais un grand trou au milieu du sol. La tente était plantée sur un petit trou en formation et l'occupant de la tente a été avalé. Une échelle de fortune devrait permettre aux colons de sortir de là sans encombre. Oh, c'est méchant, ça. Trois planches. Allez, mon colon, sors de là. Merci, tout le monde est de bonne humeur. J'ai eu peur, moi aussi. Le petit Ivan a eu peur. Salut Cranky, salut tout le monde, bienvenue à la tribu du Caribou Canada tout le monde. J'espère que vous allez bien, parce que moi je vais super bien. Oh yeah! Zéro sur 6, c'est bien, bon. Oh, oh, ok, ouais. Vous voyez, ils vont chercher les boîtes. Bon, dans tous les bâtiments, il y a au moins un colon qui travaille. Il faut augmenter la productivité des bâtiments. Et ça, mon ami, je l'avais découvert. Vous pouvez également retirer pour effectuer la fête ailleurs. Essayez maintenant d'ajouter ou retirer des colons dans le bâtiment. Et toi, là, tu me diras pas quoi faire.
Allez, bon, tu l'as terminé cette cabane-là. Bon. Aucun. Oh, oh, c'est pas ça. Aucun transporteur lié. Des bains, un transporteur pour transporter les ressources pour construire des réparateurs. Des réparateurs. Attends, ok, ok. Wow, 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 ok. Scan. Quoi, 30. Oh, je pense que c'est. Nombreux bâtiments utilisent des zones de travail pour déterminer des ressources. Les stocks centrales, les matériaux, quand ce sont. Essayez d'affecter des zones. Ok, j'ai déjà fait ça. Colon explique qu'il travaille sur un nouveau type de piège pour chasser les lapins. Ah oui. Pas d'eau jusqu'à date ou quoi? Ah, j'ai de l'eau. Pas du stock.
vais enlever du... Ah, j'ai du bois assez dessus. Allez, construisez, les amis. Ça construit! Bon, avec une affaire d'eau, là, on a de l'eau maintenant. On peut accumuler l'eau. De la nourriture. Un champ. As-tu commencé à monter le métal? Il est où le métal? Le métal est là. C'est correct. Ah, j'ai pas de briques. Comment on fait pour avoir des briques? On va la chercher où la brique là? Attends, ben, va la voir. Ben, va voir, carrément. Les matériaux basiques de construire recyclé à partir d'un tas. Comment on fait pour avoir des breaks? Non, ben...
Oh, c'est l'or! Grande ruine en ciment. Pas l'affaire, hein, ouais. Oh, le collant Stella est mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, cause du décès, blessure. La farce. Je suis. Bon, ben, y a une place de libre d'une tente, les boys. Mm-hmm. Oh, j'ai vu des briques quelque part. Ah, tiens, vu qu'il y a du stockage, regarde, on peut acheter de la brique de même. Tiens, c'est le même qu'on fait. Bon, c'est mettre des petites affaires comme ça autour, et là, les travailleurs vont y aller. Ah. Oh, qu'est-ce qui se passe, ça? Du métal là aussi, mais ça nous protège pour l'instant. Qu'est-ce qui s'est passé?
Ok, bon. On va avoir de la nourriture qui va arriver à temps. Fais confiance. Ça, toi, tu... 1%. Le colon violet est malade. Oh, oh, il y a un colon violet! Qu'est-ce qui s'est passé? Où t'as... Hey, du radioactif, qu'est-ce qui s'est passé là? C'est lui, c'est le collant malade. Un enfant? Ne fait rien. Maladie. Hey! Hi, tu vas dès... Faut qu'on se devine... Ah. On se débarrasse de toi, ma belle. Hi. Tu veux dire, ben... Hi there. Éliminez-les. Mais c'est qu'une enfant. Arrêtez de me faire rire. Ça a poussé. Permet de fabriquer des nouveaux outils, etc. Encore fini? C'est proche de fini. Ça va être pris de, fini demain. Qu'est-ce qui s'est passé? T'... Oh! T'as de la montée, t'es là? Santé. 100% toi? Qu'est-ce que je dois faire? Oh, t'as pas vrai. Depuis que ce collant a marché sur un vieux piège, il lui manque un pied. Il a pu s'en sortir en coupant son pied lentement avec un... Ah! Ok, besoin d'assistant, est-ce qu'on s'en fait ça? Elle est partie où, là, la dangereuse? T'es chez Caribou, t'es chez Caribou, prends ta chaise, puis regarde-moi. Les crimes que je posais faire, moi, pour l'aider, elle-là. Là. Darié, Evie, bienvenue à la tribu du Caribou canadien, mon cher ami, ça fait super plaisir de t'en faire. Oh yeah.
there. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Améliorer notre monde, allez. Qu'est-ce qui se passe? Oh non! Les retombées radioactives sont la tension aux radiations internes et aux pluies interentielles. On a tout perdu nos récoltes. On peut manger ça. Fallait les ramasser avant, je pense, si on pouvait. Le colon Léla est morte. Morte où? Il y en a plus qu'un qui est mort. Ah ça, c'est Stella, ça. C'est Léla. Bon, je pense que tout le monde va mourir. Tabarouette, qu'est-ce que c'est pour ça, là? Ah, fallait faire une fosse pour me déraparasser des crottes de nez. J'ai pas mis la bonne chose tout à l'heure. C'était ça la tente. C'est pour ça qu'il y avait personne qui pouvait aller.
J'avais pas mis la bonne chose. On est 6! Yeah. Vas-y, j'ai pas les ressources, mais tant que je les ai, y'a personne pour aller les chercher. Pas de problème, tout le monde a vu. Il est devenu fou. Hein? On est 2 survivants. On va l'avoir. On n'a plus de survivants. Les colons veulent lesquels? Ceux qui a pu? Ah ouais, ok, ok, faut pas qu'ils se touchent en tout. Ah ouais, nice. Qu'est-ce qui nous reste? Total quand la fin de Berlin. Il en reste 2 actifs.
Avance-t-on encore ou plus? Comment c'est ça? Je pense qu'on est mort. J'aime bien le jeu. C'est sûr qu'elle t'apprend la dure. Mais... je cherche encore à t'en aller, Chenzo, pour une couple de semaines.
C'est bien là. C'est juste... Il n'y a pas d'attaque, rien, c'est juste la survie, un peu comme l'autre jeu, c'est ça? Comme on avait déjà. Comme les divers. Ah! Ah, c'est bon, j'ai pas compris ce que je venais de faire là.